va être sympa encore. J'espère. J'ai pas du tout checké, je me suis préparé direct. Waouh. C'est incroyable. Waouh. Bon, on se tape. Du spot, mais entre temps, le vent il s'est levé. Et ça a l'air d'être hyper rapide. Mais au moins, il n'y a personne quoi. Un gars il va partir là. Bon, il veut mal au là, moi. Ça m'a convaincu. Ouais. Allez, let's go. On vient à peine d'arriver, on va se prendre une giga saucée. Génial. Pour faire un petit topo, j'allais me mettre à l'eau, là il est 16h30, 17h et vraiment j'étais devant le spot et en fait je pensais pas que c'était aussi bien, ça avait l'air pourri et en vrai une fois devant la vague c'est vraiment grave, enfin, en tout cas ça a l'air, du coup je suis venu vous chercher et puis du coup j'espère prendre quelques vagues, hein. Youhou. Allez, vamos.
attaché sur toutes les vagues. Attends, je gueule, hein. Mais vraiment, l'ambiance, ça fait peut-être vraiment nul à chier. Vraiment, c'est pas vraiment un plaisir, quoi. Ça, okay, se met okay. Ça se met comme ça, les ailerons? Ouais, c'est comme ça, frérot. Non, attends, tu t'es trompé. Celui-là, il va là. Et t'en mets un à l'avant. Et voilà. Frérot, c'est légendaire. Titon qui change de board, les gars. Titon qui va tester et qui va faire un peu de diversité dans son surf. C'est... Je filme parce que voilà, ça arrive pas tous les jours. Mais ça, Titon se met à l'eau alors que les conditions ne sont pas parfaites. Et ça, c'est encore plus mémorable. J'avais pas de faire... Ah. Elle est neuve celle-là, donc les... Je fais des plans stylés. Donc les plugs ils sont hyper durs, tu vois. Depuis qu'elle est neuve. Mais ça fait qu'une fois cette bombe-là. Ouais, vu que tu changes jamais de board. Bah ouais, mais tu vois, il faut s'habituer à ces. Ça a rigolé, tu sais que hors van tu te trompes de sens. Non, t'es sérieux? Bon, les gars, faut qu'on vous explique ce qui vient de se passer là. Toute la journée il a plu. Il faisait un temps de merde. Vent et tout. Vent de ouf, enfin, tempête, genre j'ai rien filmé du tout. C'était vraiment journée off. Vraiment à 17h on se dit vas-y on va juste checker. Non même pas, on se dit vas-y on se met à l'eau juste pour dire qu'on va à l'eau. Et là en fait genre le vent était tombé, gros hold up. On s'est mis sur un pic genre tout seul. Enfin, on était genre 4, dinguerie, barrel sur barrel. Genre vraiment la vague était folle. J'ai pas pris la GoPro parce que bah, je pensais que ça allait être nul à chier. Et en fait on s'est vraiment gavé quoi. N'importe quoi. Vraiment genre, c'était zinzin. On attendait vraiment, j'ai eu genre le tube, je pense le meilleur tube de ma vie. Tito, il y a eu des bonnes vagues aussi, enfin vraiment, on s'est régalé. Et on part demain. Et on part demain. Let's go. J'ai checké un petit spot là, mais c'était beaucoup trop bas. Enfin, en vrai ça marchait, mais juste il y avait vraiment pas d'eau et le riff en dessous il est pas cool. Du coup, j'ai pas envie de me mettre à l'eau, je vais attendre que ça monte un peu, je pense dans 1h30, 2h. Et en attendant, on va se mettre à l'eau en face, on va avoir des vagues cool. C'est hallucinant. On va trouver le petit spot. J'espère que ça va avoir un peu monté, avoir un peu plus d'eau. On va aller tester comme tu penses. Bon, c'est bon, du coup, je suis tout seul, c'est incroyable. Il y a des vagues, il y a des bonnes vagues, il faut arriver à choper les bonnes. Ça, il y a pas mal, ça a l'air de fermer. Mais on est venu de passer pas trop mal. Donc on va voir, on va faire gaffe, il n'y a pas beaucoup d'eau. Par celle-là, par exemple. I was deep, deep down on the bottom.
bottom of a well. Sea glass was all I found. An alternative hell. No more cookies in this jar. Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land. But I'm deep, deep down on the bottom of a well. I dug along, can't you tell? This place must be hell. No more cookies in this jar. Did I take it too far? Sand like a fish on land. C'était bof, bon, hier soir on a eu une session incroyable, du coup j'avais pas pris la GoPro, enfin je vous l'ai dit hier. Donc en vrai, franchement, bien cool cette vague. Pour conclure un peu là, en vrai la vague est vraiment incroyable, mais niveau personne à l'eau, genre l'ambiance sur Karamas même, c'est vraiment pas ouf. Du coup ouais, pas si, enfin un peu déçu de Karamas. Là on va bouger, on va retourner à Uluwatu, donc ça devrait être cool. Les prévisions pour l'instant c'est un peu bof là, pour les prochains jours. Mais bon, on va voir si on arrive à surfer et tout. Ça devrait être sympa. Là on fait toutes les affaires. Et puis let's go hein. Regardez-moi ce bordel. Il a un board bag pas du tout adapté, il l'a rangé n'importe comment. Et il croit que ça va rentrer. Mais oui, ça va rentrer comme. Regardez-moi ce bordel. Oh là là. Ce n'est pas adapté. C'est une housse. Ça rentre pile poil. Et voilà. Dernier petit repas à Karamas. Là on part juste après manger. Direction Oulu. Le temps est carrément menaçant, j'espère qu'on va pas se prendre ça sur la gueule. On scoot. Parce que là on a vraiment pas la déter, on a ouais, une bonne heure et demie de scoot. Avec les board bags, il y a full vent, oh, déjà on va se faire chier avec les board encore, bags. Hein. Donc ouais, on va voir. C'était bien cool en vrai, bonne petite semaine ici. Bien cool, comme je vous ai dit, le spot est vraiment grave, mais bon, un peu déçu du monde et tout à l'eau, de l'ambiance. Mais en vrai, la vague est vraiment grave. Quoi. J'ai eu des bonnes sessions, Titon aussi. Donc je pense qu'on reviendra. Hein. Ah bah c'est sûr qu'on fera un repassage ici. Hein. Thank you. Bah, début des galères. Vu que j'avais plus le compteur, je pouvais pas savoir. Je pensais avoir fait le plein. Du coup, bah là, le scooter est tout temps. Et puis on vient tout juste de rentrer sur l'autoroute. Quoi. Bon, du on coup, va essayer un truc. Là, l'idée, et c'est d'accrocher. Fait, attends, explique, on est sur l'autoroute, donc il ouais. n'y a pas de station essence. Et l'idée, c'est de. Il reste 7 km à faire. Avant de pouvoir mettre donc, de l'essence. Donc, je vais essayer de le tirer. Et voir si ça marche en tirant. Mais on a les board bags et tout, donc ça va être sport. C'est bon les gars, on l'a fait putain. Vous avez réussi, ça a marché. Je l'ai réussi à le tirer, il est là-bas en train de mettre de l'essence. On espère que ça va marcher. C'est pris une espèce de petite chaussée en plus. On a dû s'arrêter pour mettre les vestes et tout. Vraiment, là, c'est pas cool. Mais à chaque fois, on a des galères mais on s'en sort. C'est nickel. On l'a fait.
désolé frérot. Mais mec, c'était pas prévu une semaine qui a l'air comme ça normalement. Mec, ça devait pas être comme ça. La dernière fois je l'ai fait, je connaissais la route, ça devait rouler, tu vois. Jamais. Bien sûr, et puis là, tu sais, genre les gens ils vont pas croire, ils vont pas s'en rendre compte parce que là il pleut plus, comme à chaque fois. Oh là là, mec. On s'est tapé une. Genre pendant. En fait, dès qu'il a fini de faire son plein. On s'est pris une saucée genre sur toute la route pendant une heure. On devait mettre genre je pense 40 minutes pour faire la route. Je pense qu'on a mis plus et vraiment genre on voyait presque rien devant. C'était un enfer. En plus c'était que des petites routes genre qui montaient de ouf et qui redescendaient de ouf. J'ai le GPS mais je crois qu'il m'a fait faire n'importe quoi. Mais tu sais que moi mec genre il y a des mois j'étais pas serein avec mes freins. Comme mes freins ils marchent presque pas. Alors c'était n'importe quoi encore. On est trempé jusqu'aux os. Moi j'ai les pieds, les chaussures, elles sont complètement trempées. Ça doit être super simple. Mais et puis regarde, là, il refait vous, hein, bien sûr. Hein. Tu sais, c'est pile quand on a fait le trajet. On est là. Maintenant. Mais bon, on est arrivé. Et là, c'est incroyable. Là, ouais, franchement, mais c'est hallucinant le truc. Là, c'est dingue ce qu'on a pris. Oh là là. Mais quand c'est arrivé, on a payé ça combien, quoi? 60 balles, 30 balles la nuit. Ouais, donc à deux, enfin, ça fait 15 balles, quoi. Ouais. Et une petite piscine et tout. Bon, on va décharger les affaires, mon board bag il doit encore être plus trempé à l'intérieur, ah, mec. C'est une piscine, ah putain. On va pouvoir kiffer un petit peu, se reposer parce que ça nous a bien, bien crevé là le trajet. Là, de faire une heure sous la flotte comme ça, on voyait vraiment rien, c'était vraiment pète gueule. Puis on était dans les embouteillages, il y avait un monde de ouf. Donc bon, allez, petit repos. Voilà, pour vous rendre compte, ça c'est la pluie qu'on a eue quand on roulait. Encore là, on est à l'abri du vent, mais nous on avait les bois devant en plus. C'était vraiment pas cool. Bon bah bonne après, frérot. Hein. Bon, on l'a bien mérité celui-là parce que là, il fait un temps mais c'est un enfer. Bon bah, on est reparti. On est reparti. Allez, je te suis, après toi. Regarde, j'ai une technique, mais les mains dans les poches. Ça, pour moi, c'est pour nous. Ouais. Comme ça. Bon, allez, c'est parti. Après, de toute façon. On est encore là. Ouais, vraiment là. Il n'y a pas de trottoir. On est bien à pied. Le bilan, t'as vu, c'est un pédiluve la pelouse. Oh! Ouais, c'est un peu stylé, ouais. Donc, là, on est en train de me dire que, puis au-dessus de mon lit, il y a un putain de trou dans le plafond. Il y a qu'à moi que ça arrive. C'est un démon. Puis tout à l'heure, tu sais, je me disais. Je ressens des gouttes. Putain, pas, bah, ça va être une bonne nuit, hein. C'est Noël, frérot. J'avais tellement pas l'impression, j'avais oublié que c'était Noël. Ah, mec. Il y a des petits lutins partout. Il y a des trucs. Aujourd'hui, ça va pas être une journée très productive. Je pense qu'il va pas y avoir beaucoup de contenu. Ah, t'en penses quoi? Aujourd'hui, les 30 prochains mois. Ouais. Que comme pas possible. Il y a un vent de ouf. On a dormi. Pas de sœur. On a dormi comme des merdes. Comme des merdes. C'était horrible. Ouais, vraiment. On était dans la tempête en fait. Non, dans une tente. Dans une tente. C'est vrai. La comparaison est bonne. Je suis une tente avec des murs.